L'histoire de l'humanité jusqu'au XXe siècle, c'est l'histoire de la culture de la guerre, l'histoire de la loi du plus fort, la loi de la jungle. Au XXe siècle, on ne peut plus vivre ensemble sur cette planète si on reste selon les vieilles habitudes de la culture de la guerre. Voilà pourquoi il faut donc se battre pour la paix, s'attaquer aux causes des conflits. La paix, ça se construit, la paix, ça se cultive, la culture de la paix. Dans ce livre, on analyse les raisons des conflits, les raisons des violences, et on propose une alternative, non seulement pour la planète, mais aussi pour la vie de tous les jours dans notre pays. Ces alternatives, nous allons les soumettre, puisque nous sommes dans un moment de débat en France, dans cette période électorale, nous allons les soumettre aux décideurs. Mais nous savons bien aussi qu'au-delà de la conviction que nous portons, c'est aussi l'engagement, l'action de l'opinion publique qui fera évoluer les consciences. Dans ce livre, on a tous les instruments pour faire évoluer les consciences. Donc, ce sera une référence pour militer pour la paix. Voilà pourquoi nous avons contribué à ce livre et que nous pensons maintenant utile de le diffuser très largement et de l'utiliser particulièrement dans cette période de débat électoral.